Mais avant, il faut que je m'assure de votre bonne volonté et de votre parfaite coopération. Est-ce que vous voulez vraiment que je vous explique pourquoi il faut être au courant pour être branché? Oui. Est-ce que vous voulez vraiment que je vous mette au courant? Oui. Est-ce que vous voulez que je vous branche? Oui. Par votre affirmation, vous venez de démontrer que oui, il faut être au courant pour être branché. Bon, il me reste 2 minutes 30. Donc je vais développer l'idée en espérant allumer la lumière chez vous, en espérant de faire de vous des gens branchés au courant. Le meilleur argument qu'on puisse évoquer, c'est celui de l'exemple concret. Prenez cette lampe. Essayez de l'allumer. Faut brancher, non? Ah! Donc, pas étonnant. Pas branché, pas de courant. Vous voyez, il faut être branché pour être au courant. C'est une nécessité. Celui qui ne serait pas au courant qu'Horatio plaît à tous les étudiants de droit, serait-il branché? Eh bien non, ce serait un loser, un pauvre type. Et celle qui ne serait pas au courant que l'édition 2019 du Code civil vient de sortir, serait-elle branchée? Non, paumée. Oui, il faut être branché pour être au courant. Branché, celle qui est au courant du lieu de la prochaine soirée, où on parlera certainement du débat qui est meilleur, OM, Paris Saint-Germain, mais bon bref. Branché. Branché. Ceux qui sont au courant que Damien Deschamps va nous démolir. Branché parce qu'au courant, pas comme Claude François malheureusement. Cependant, je peux ne pas être au courant de la dernière une du Dalloz ou du Monde et rester branché. Je peux ne pas être au courant que le cours de droit civil de demain est annulé. Ah, vous n'étiez pas au courant. Vous voilà donc informé et branché. Minute, je n'ai pas fini. Aujourd'hui, le courant est cher. Et être au courant, ce n'est pas une question de volonté, mais une question de moyens. Alors, pour toi, mon cher Josué, ce soir, j'ouvre une collecte de fonds. Cher public, mettez 1 € en partant pour que Josué ait enfin du style. Allez, ciao!